Interrompre ses études pour partir un an à l'étranger, c'est un peu le rêve de tous les étudiants. Mais il faut se l'avouer, c'est pas toujours très accessible. Une année sabbatique au Vietnam pour remplir ton CV. Mais Hector, tu as 12 ans, enfin. C'est vrai qu'une année sabbatique, c'est très bien vu sur un CV, mais ce n'est pas que ça, évidemment. C'est surtout l'occasion de vivre une expérience unique, de voyager, de faire du bénévolat, ou même de réaliser un projet personnel. Et faire des petites rencontres aussi. Et en général, la première question qui se pose, c'est... Et tu vas faire ça avec quel argent ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment financer une année sabbatique quand on est étudiant. Contrairement à une croyance commune, on peut partir en année sabbatique avec un budget restreint. Et pour ça, le secret, c'est d'économiser bien avant le départ. Pour ça, il existe plusieurs solutions, et on va commencer par les jobs étudiants. C'est évidemment le moyen le plus courant de gagner sa vie quand on est jeune. Vous pouvez travailler dans la vente, la restauration, ou encore l'aide aux devoirs. Et sinon, ça recrute pas mal dans le grand et le moyen commerce, en tant que hôte de caisse par exemple. Je fais ça pour mon année sabbatique. Alors ok, c'est souvent payé au SMIC horaire, mais ça permet déjà de mettre des sous de côté. Et si vous voulez gagner plus, j'ai un petit tips pour vous. La vente sur les marchés ou chez les petits commerçants est souvent mieux rémunérée. Je fais ça pour mon année sabbatique. Mais attention, c'est plutôt réservé aux lève-tôt. Autre technique pour gagner un peu d'argent, le service civique. Garde à vous! Alors non, j'ai pas dit service militaire, j'ai dit service civique. C'est un engagement volontaire sur une mission d'intérêt général. En gros, vous vous engagez sur le long terme dans une expérience associative. Ça peut durer entre 6 et 12 mois, ça s'adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans, et c'est rémunéré. 473€ par mois, plus les frais de déplacement et de restauration. Pratique pour avoir une belle expérience sur son CV et faire quelques économies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site servicecivique.gouv.fr. Allez, autre méthode, le financement participatif. Eh ouais, vous avez bien entendu, faites-vous financer votre année sabbatique. C'est possible ça ? Eh oui, un projet comme ça justifie largement une campagne de financement participatif. Vos proches auront sûrement envie de vous aider, et à plusieurs, vous pouvez rapidement atteindre votre objectif. Mais évidemment, ça ne suffit pas de dire que c'est juste pour le kiff. Le tout, c'est d'avoir un projet qui a du sens, bien ficelé, et de pouvoir bien l'expliquer aux personnes que vous sollicitez. Quand on fait appel à la générosité, même si c'est son entourage, il faut prouver que l'argent sera utilisé de manière bien réfléchie. Par exemple, en détaillant l'objectif et le budget. Autre technique pour financer votre projet, les ventes solidaires. L'idée est simple, vendre des objets dont vous voudriez vous débarrasser. Comme l'horrible tableau de mon coloc. Je t'entends, hein ? Oups. Mais ça peut vraiment vous aider à récolter l'argent dont vous avez besoin. Et en détaillant votre projet, nul doute que votre entourage sera ravi de vous filer un coup de pouce. Et ça, c'est pour me ramener un souvenir de Bali. Super. Et si vous êtes plutôt du genre flemmard, comme un certain coloc... Je t'entends toujours. Enfin bref, si vous avez la flemme, vous pouvez aussi vous tourner vers le vide-grenier. Le principe, c'est de vendre tous les trucs dont vous ne vous servez plus. DVD, CD, meubles, vaisselle, jeux, livres, fringues et même tableaux hideux. Eh oh, je te vois, hein ! Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas à tout organiser vous-même, vous avez juste à réserver un emplacement. Renseignez-vous sur les dates des vide-greniers autour de chez vous, et surtout, inscrivez-vous, sinon vous n'aurez pas le droit de vendre. Donc voilà quelques pistes pour faire des économies avant le départ, et maintenant on va voir ce qu'on peut faire pendant l'année de césure. Australie, Corée du Sud, Canada, Brésil, Mexique, vous rêvez de ces destinations? Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Et pendant ce temps, il faut que je vous parle du permis vacances-travail. Vacances-travail? Vous vous dites qu'il y a une entourloupe, pas vrai? C'est vrai, mais ça a du sens. Le principe, c'est de pouvoir s'installer dans un pays en ayant le droit de travailler de manière exceptionnelle. Ça permet de découvrir le pays, sa culture, tout en subvenant à ses besoins une fois sur place. L'avantage, c'est que le permis vacances-travail, PVT pour les intimes, a des conditions de participation peu restrictives. Pas besoin d'avoir un CV à rallonge ou des diplômes particuliers, seulement d'avoir entre 18 et 30 ans, voire même 35 pour certaines destinations. Et la bonne nouvelle, c'est que les Français ont accès à 14 destinations en tout, dont le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et même le Brésil. Attention tout de même, il n'est possible de bénéficier du PVT qu'une seule fois par
pays et pendant 12 mois maximum. Et sachez aussi qu'il y a quand même un budget de départ à prévoir. Les pays demandent à ce que vous ayez le minimum pour vivre décemment sur place, le temps de trouver un job. J'ai trouvé un super job! Par exemple, pour l'Australie, c'est environ 3200 euros et pour le Brésil, 2500. Donc ça suppose de mettre de côté bien avant le départ. C'est le moment de réserver votre emplacement de vide-grenier, les amis! Une autre solution, c'est le programme Au Pair. Le principe, c'est de vivre au sein d'une famille d'accueil tout en s'occupant de leurs enfants. Les missions principales sont donc le babysitting et l'accompagnement aux devoirs. Mais du coup, comment on dit équation du second degré en danois? Bon, l'avantage, c'est que c'est pratique pour apprendre une langue ou se perfectionner. En Europe, les périodes sont souvent de 2 à 3 mois l'été, mais ça peut aller jusqu'à une année entière. Les séjours au pair sont parfaits si on a un très faible budget. Le logement, la nourriture et parfois même le billet d'avion sont pris en charge par la famille d'accueil. Et on peut être au pair avec son coloc? Non. Les jeunes au pair reçoivent aussi de l'argent de poche, entre 40 et 100 euros par mois, selon les pays. Et selon les familles. Moi, ils me prêtent leur voiture! Avec cette option, il est largement possible de partir avec seulement 1000 euros en poche. Une autre option, c'est le woofing. Non, aucun rapport avec le chien, d'ailleurs on en a déjà parlé dans cette vidéo. Ça consiste à travailler dans des fermes en échange d'y être logé, nourri et parfois même rémunéré. C'est extrêmement enrichissant et ça permet de créer du lien avec les habitants des pays tout en voyageant à moindre coût. Plusieurs plateformes existent pour mettre en relation les fermes et les particuliers. On rencontre les plus belles fermes autour du monde. C'est pas tout à fait le genre de plateforme auquel je pensais, mais bon. Selon les pays, le coût de la vie est différent. En moyenne, il est conseillé de prévoir 3000 euros pour son année en comprenant l'achat des billets. Et pour ceux qui ne seraient pas tentés par la vie à la ferme, il existe aussi le volontariat international en entreprise, le VIE. Le principe du VIE, c'est de partir en mission dans une entreprise française, mais à l'étranger. Votre mission W06, si vous l'acceptez. Oui, alors, quand je dis mission, je parle d'une expérience professionnelle, pas d'espionnage. Ça permet de financer entièrement son année à l'étranger. Trop bien! Oui, enfin, sauf que c'est réservé aux jeunes âgés de moins de 28 ans. Désolé. C'est pas grave, je reste avec toi. Yes. Les missions disponibles sont dans plus de 19 domaines différents, dont le commerce, la communication, le marketing, etc., etc. Pour en trouver une, rendez-vous sur le site monvieuxvia.businessfrance.fr. Et voilà, je vous l'avais dit, il existe plein de solutions pour financer une année sabbatique. En amont d'abord, avec des jobs étudiants, le service civique, le financement participatif, les ventes solidaires ou encore les vide-greniers. Mais il est aussi possible de travailler durant votre année sabbatique et donc de vous financer au fur et à mesure. Avec le PVT, le woofing, le programme au pair ou encore le VIE. L'important, c'est de bien préparer son projet et de connaître le budget nécessaire au bon déroulement de son année sabbatique avant de se lancer. Pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir toutes les autres vidéos et trouver les réponses à vos questions.